Yeah, ça fonctionne. Ré majeur, c'est un bon truc de joyeux. Ouais, Ré, c'est bien. Salam les royas. Et on va faire quoi aujourd'hui, Alexandre? Ré. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. En fait, il faut qu'on commence bien et que petit à petit, chaque accord, on mette un truc de spécial dedans, tu vois. Ouais. Genre, à chaque couplet, il y a un truc un peu plus stressant, genre, tu rajoutes une septième majeure. Pas du tout ça. Puis tu rajoutes un sus 4. Ils sont maudits, tes accords. Qu'est-ce qui se passe? Un mot chacun. Bonjour. On va vous présenter un projet qui nous tient pas à. Allez, je bois un coup d'eau. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Ok. Salut. On va écrire une chanson en une heure. Ça, c'est fou. Ça fait déjà 8 minutes seulement. Non, c'est 8 heures, je pense. On commence avec Ré. Est-ce qu'on voit une espèce de... genre quand même un truc en 3? En 3 parties ou en 3 temps? En 3 temps. 3 temps binaires ou 3 temps ternaires? Plutôt ternaires, du coup. Ok. Je sais pas, mais... Peut-être pas. Est-ce qu'on progresse ou pas? C'est trop bizarre comme progression. 1, 3, je suis con. 6, 7, 2, 5. 6, 5. Trop bien. Je crois que ça peut être cool qu'on ait quelques motifs qui se répètent à travers l'album. On n'a pas du tout mis le chrono. Si, du coup, le truc c'est un chrono. Ok, bon, ça fait 2 minutes du coup. Ce serait cool qu'on ait un motif à travers l'album, genre 2 accords qui se remettent chaque fois, tu vois. Genre un triton, 2 accords majeurs avec un triton d'écart, qui soit genre à des moments random, enfin pas à random de la chanson, mais genre qu'on arrive à le caler à chaque fois, tu vois. Parce que ça fait très spatial en vrai, 2 accords majeurs écartés d'un triton. Peut-être genre dans le pont ou à un moment dans le refrain, tu vois. En majeur, donc
la place des si alors. Là, ce serait genre couplet, je pense. Ok. Et avant, c'est l'intro. Non, pas sur l'intro. Être un truc super bizarre en mode tu vois un truc comme ça. Ouais, bon, mais du coup il faut quand même trouver quelque chose à faire avec ce genre là. Ouais. Là. Oui.
Ça peut ne pas être celui-là. Hein, ouais. Puisqu'on est en 3, on peut faire en mode danse irlandaise un peu. En vrai, ouais, ça, on peut genre avoir chaque partie qui est inspirée d'un autre style de musique dans ouais. Les pays, tu vois. Par contre, pour l'ambiance, je voyais bien que le refrain soit peut-être la partie joyeuse et alors les couplets. Ouais. Tu sais, parce que quand tu commences, de toute façon, le. Ouais, c'est pas spécialement joyeux, donc ouais. C'est pas trop grave que le couple, le refrain le soit. C'est vrai. Et du coup, c'est toi, c'est quoi les trois accords que tu fais Là, je faisais donc. Do dièse mineur, si, et je sais. Enfin, je faisais si, je faisais. Ouais, c'était quoi ça? Fa dièse. Si on fait deux boucles ouais. Du refrain, on peut faire une boucle où c'est le fa dièse à la fin et une boucle où c'est le la. Ouais. Ah, non, le la est bien, faut, mais faut faire un 4-5. Pas juste 5. La. De quoi, sol, dièse? Ouais, non, un sol. En vrai, ça fait encore un triton, mais. Mais j'aimais, en fait, j'aimais bien mettre le la au deuxième truc, j'avais trouvé que c'était. Ouais. Ouais, mais ça va peut-être un peu plus direct. Et c'est juste le fait que ça repasse au truc là. En fait, ouais, le truc, c'est aussi que depuis tout à l'heure, on l'utilise comme si le. En fait, on l'utilise comme si le la c'était la tonique. Ouais. Du coup, il faudra un mi, peut-être. Ouais. Sol là, et on est bon, non? Attends, faut que je te fasse écouter. Parce que c'est pas du tout le même contexte harmonique, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ok. C'est ça que j'entends. Je sais pas si c'est ça. C'est pas comment on peut voir. Bah, si, en fait, avec le la oui, qui monte, ça va. Avec le la, c'est bien. Mais tu vois, du coup, comment ouais. Tu ressors après cette bizarre c'est une phrase, tu vois. La mélodie
Tu voulais un leitmotiv pour la compagnie. Oui, mais j'aime bien le leitmotiv. Là, il est peut-être un peu trop light le motif. Donc. C'était complexe. Hein. Ouais. Mais putain, c'est bien, je trouve. Ouais, c'est chouette. Structure. Track 1. Finir en mineur pour introduire le prochain morceau. Mais ce qui peut être bien, mais il faut voir si t'aimes bien, c'est. Je joue une pièce ce soir, tu vas voir, dans les dernières. Et genre, c'est en mi, et du coup, ça fait. On peut le faire, tu peux le genre. Et en fait, c'est le prélude numéro 1, ce mec-là. Et le prélude numéro 2, je pense qu'il est en ré. Donc, ça fait. Tu vois, et il introduit le deuxième prélude, mais qu'on joue pas spécialement. Et je me dis que mettre un petit truc qui introduirait ouais, de ouf. Les chansons d'après. Ça, je suis chaud, clairement. J'aime beaucoup les albums qui s'écoutent en album. Et surtout, ouais, surtout un truc comme ça en soi. Ouais, oui, il faut qu'il y ait une narration, même dans la musique. Hein, cool. Et tu m'as dit quoi, justement? Je disais, on n'a pas du tout de mélodie principale, quoi. Pour le refrain? Pour en général. Bah, tu faisais du. Oui, du yaourt, quoi. Mais... Du yaourt, oui, mais c'est pour ça qu'on va retrouver une. Oui. Quand on aura tout l'accompagnement, on pourra faire que du yaourt, genre pour la prochaine répétition, on peut faire que du yaourt là-dessus. Et puis vraiment l'enregistrer avec des vrais instruments, l'instru, la basse. Okay. La basse. En fait, on n'est pas obligé de changer, mais j'ai l'impression que c'est le genre de chanson qu'il faut
Il faut un truc un peu bizarre. Ouais, de toute façon, il faut un truc un peu bizarre. Il faut un truc un peu bizarre. Il faudrait un truc un peu bizarre qui fait que quand on retombe sur leur frein après, il y a un changement de contexte et on est en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on se laisse ça la prochaine fois? Ouais, en vrai, c'est. J'aime bien ça. Hein. Oh, je suis content. Ouais. Je suis trop bien. Ouais, ça va être bien. C'est très bien.